Allez, c'est reparti, on va retester le jumbo, on a fait les petites modifs. Donc toujours le moteur Curon 825, on a rajouté un petit vario surpasse, un petit double ventilo. J'ai dit quoi, vario? Non, ventilo, double surpasse. Le Max 8, 4S 5000, on a changé, on a mis un pignon de 11, on a rajouté un pare-choc, on a changé les huiles à l'arrière, donc on est en 1000 à l'arrière. La petite carrosserie incassable Alsace Body qu'on a décorée. Voilà, couleur de RC Garage de Mani. Et on va essayer ça. On checkera les températures à la fin du pack. Pas rouler comme des gros sauvages. Ça reste du Coralie. On est dans les bois, c'est dangereux. Et on va voir un peu ce qu'il y a dans le sac. Hop, c'est parti. Ça siffle un peu, c'est le pignon techno. On sort pas mal, je préfère. Bon, il n'y aura pas de backflip aujourd'hui, hein. Pas la place, il n'y a pas de bon jump pour. Puis il y a un peu trop d'arbres dans cette forêt. Je m'en doutais, il y a un arbre en bas. Pour me prendre des repères, hein. Je connais pas bien la zone, là. Je roule pas ici d'habitude. Voilà, l'arbre encore. Faudrait que je le bouge celui-là. Passager clandestin, hop, sors là toi. Voilà la rampe, très bien. Je me fixe que là-bas il y a des souches. Voilà. Un peu devant là, j'ai pas pu refaire les huiles devant, j'avais plus assez de mille, du coup je sais pas trop ce qu'il y a dedans là,
L'arrière, je sais que c'est de la 1000. J'ai le fond qui me restait du max. Je pense qu'elles ont fait leur temps. Ah ouais, si, j'ai aussi mis les ressorts durs, durs Corali. Allez, on va aller se promener un peu. Eh, ça grimpe, hein, dis donc. Hop là. Je crois qu'il y a une bosse par là qui est pas mal. Ce que ça dit. Il y a ici, mais il y a une racine qui fait chier ici. Ouais, c'est nul. Nul. Essayer de quoi monter de l'autre côté. Ah ouais, ça va être chaud. Non. Laissez-moi, monsieur. Là, c'est la surprise, je sais pas ce qu'il y a dans les feuilles. Il s'agirait pas qu'il y ait une petite souche ou... La mort.
Alors c'est pas un terrain facile pour le bâcher fort, hein. Donc je suis pas forcément de bon appel contre appel, donc Et c'est quoi le bâcher? C'est envoyé pour détruire ou... pas le bon positionnement parce que j'arrive pas à le... Peut-être que je vais mettre plus là. C'est mieux. Mériter un peu plus de gaz là. Ah, il y a un truc là dans le fond. Voilà. Là, c'est bâché ou pas? Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu ça. Ok, d'accord. Putain, mais... Il n'a pas bougé, lui.
dans un sens ça passe mais pas dans l'autre. Ça passe moins bien. Arbre. Voilà, je suis demi-gâchette tout du long, hein. En 4S. En coupure. On est en coupure. Ouais, coupure totale même. Hop. On va checker les lipos tranquillement ensemble. On va checker les températures. Voir si on a du mieux par rapport au pignon de 13 et sans ventilo. Bon, déjà, pas l'impression qu'on ait de la casse. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les cardans tourneront. À l'arrière, ça tourneront. Là, on a un léger voile, mais je crois qu'il était déjà celui-là. À l'avant, ça tourneront. Il y a une feuille. Hop. Les lipos. La lipo 364, 364, 356, 358, hop, on est bon. Le moteur. Quarantaine de degrés, on est bien. Les lipos, ouais, 48, 50. Le vario, on est un peu plus chaud. On est à 60. Mais bon, pas extraordinaire. On va le laisser tranquillement tourner un tout petit peu comme ça. Il va se refroidir tout seul. Puis voilà, le coquille même pas. Hop, ça sent dernier pack pour lui aujourd'hui. Et voilà. La lipo est chaude quand même. Ouais, on est sur une cinquantaine de degrés. Ouais.
Ça me va mieux que déjà les 60 degrés lipo plus 90 degrés moteur quoi. Allez, je laisse les doigts dessus. Il n'y a pas de souci. Allez, salut.